Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce 15 septembre. Une nouvelle formule pour calculer les prix des carburants à Maurice. Un comité technique a été créé. Information fournie par le ministre du Commerce à la PNQ du leader de l'opposition ce mardi. Toujours au Parlement, le Premier ministre confirme la préparation d'une Freedom of Information Act et la nouvelle stratégie sur l'accès aérien, dit-il, n'aura pas de répercussions négatives sur Air Mauritius. La construction de la première Smart City débute en janvier 2016. Le projet sera une réalité à Highlands dans 5 ans. À l'étranger, le multimillionnaire Malcolm Turnbull investit Premier ministre de l'Australie aujourd'hui. Merci de nous rejoindre pour ce 19h30. Au Parlement aujourd'hui, la PNQ du leader de l'opposition portait sur les prix des carburants à Maurice. Paul Béranger a cherché notamment des détails concernant la contribution au Build the Mauritius Fund. Il a aussi demandé au ministre du Commerce si le prix des carburants allait baisser à Maurice, vu que le prix des produits pétroliers a connu une baisse conséquente au niveau international. Cette baisse, le ministre Ganga l'a reconnue, mais il a tenu à faire ressortir que la formule déterminant les prix des carburants à Maurice ne permettait pas de la traduire dans le prix à la pompe. Son ministère a ainsi créé un comité technique qui aura pour tâche de venir de l'avant avec une nouvelle formule pour résoudre ce problème. Un extrait de la PNQ de ce mardi. Madame Speaker, I would have wished that the price of Mogas and gas oil to have decreased further for the benefit of one and all. However, the consumer protection Control of Price of Petroleum Products, Regulations 2011, regulate the functioning of the Petroleum Pricing Committee and has set up thresholds to be observed for any revision in the prices, be it for increase or decrease purposes. I have therefore set up a technical committee to review the current petroleum pricing mechanism. Consumers can be expected to benefit from that new formula as soon as possible? I say it loud and clear. With the new formula that is going to be worked out, any reduction that is going to occur on the world market, the reduction will be passed on to the consumers. Because right now, with the system that is prevailing, unfortunately, we can't do that. Le reportage de Kavish Peltou sur la PNQ un peu plus tard dans ce journal. Le travail en amont pour la présentation d'une Freedom of Information Act a déjà commencé. C'est ce qu'a annoncé Saniru Jugnauth dans sa réponse à une question du député Kavir Amano. Cette loi, dit-il, viendra promouvoir la transparence, notamment dans l'administration publique. Le chef du gouvernement annonce aussi qu'une task force a été instituée sous le National Advisory Council pour dresser une politique nationale sur l'accès aérien. En aucun cas, dit-il, cette stratégie n'aura une quelconque répercussion négative sur la compagnie Air Mauritius. In the government program 2015-19, it is clearly stated at paragraph 258 that a Freedom of Information Act will be brought forward to promote transparency and accountability in public administration and more particularly in contract allocations. My government will stand by its commitment. Madam Speaker, the House will appreciate that although many jurisdictions have adopted the Freedom of Information Act, the nature and scope of such legislation is still evolving. This is precisely why there is need to ensure that the Freedom of Information Act adopts innovative processes to improve access to information rather than promoting access in name only. Is there any specific committee that has been set up in order to work on it, and if so, who are the members that are part of that committee and how many meetings have they had already? There is no special committee. There is a member from my office, the Attorney General's office, and then in consultation with the state law office.
Nous reviendrons sur la PMQT avant la fin de ce journal. Et à une question du député Ravi Ratna sur l'affaire Roche-Noire, le chef du gouvernement a, dans une réponse écrite, indiqué que l'enquête a été réouverte à la lumière de nouvelles informations. Le commissaire de police a informé le Premier ministre qu'un témoin s'est volontairement présenté aux enquêteurs du CCID le 11 janvier 2015. Ce témoin, DG, a formellement déclaré qu'il n'était pas au bungalow au moment du vol. Seul l'ancien Premier ministre et une madame NS y étaient et qu'ils ont été victimes d'un vol. Suite à cette déclaration, trois personnes ont été arrêtées. Une charge provisoire de conspiracy to commit an unlawful act to wit, effecting public mischief, a été retenue contre ces personnes. Ces suspects sont actuellement en liberté conditionnelle. Le dossier, précise le Premier ministre, a été envoyé au directeur des poursuites publiques depuis le 25 juin 2015 et l'avis du DPP est attendu pour la marche à suivre. Nous reviendrons sur les travaux parlementaires tout à l'heure. Le savoir-faire français mis en exergue à Bagatelle durant une semaine, une activité pour marquer les 300 ans de la présence française à Maurice. Rochana Samal, Jemila Mourad Piabux. Cela fait maintenant 300 ans depuis que les Français ont débarqué à Maurice pour coloniser notre île, baptisée en ce temps-là Île-de-France. Pour commémorer ce tricentenaire, de nombreuses activités échelonnées sur une semaine, soit entre aujourd'hui et le 20 septembre, sont organisées. Le lancement officiel de ces célébrations a eu lieu ce matin à l'hôtel Voilà Bagatelle, en présence de l'épouse du Premier ministre, Lady Sarojini Jugnauth. C'est une belle initiative pour accompagner le tricentenaire. Bon, dans les célébrations du tricentenaire, il y a des manifestations officielles, culturelles, et je crois que c'était bien d'avoir une manifestation peut-être plus commerciale qui parle au grand public aussi à Maurice. Les cérémonies officielles auront lieu le 20 au Codan, donc on inaugurera un monument. Je trouve extraordinaire que depuis 300 ans nous soyons encore là et tout le monde parle en français. Et c'est ça, c'est, si vous voulez, c'est cette petite part de France que tous, vous, nous, nous avons gardé entre nous, que j'ai voulu mettre en valeur. Cet élan que nous avons, nous continuons à le garder et que notre île soit vraiment toujours l'étoile et la clé de l'océan Indien. Les activités organisées pour rendre hommage à la richesse de la culture française incluent la tenue des défilés de mode, des spectacles de musique, des expositions de voitures et de livres, au programme également des rencontres culinaires et des dégustations de vin entre autres. Météo, nous sommes en avis de forte houle ce soir. Cet avis sera aussi en vigueur à Rodrigo demain matin. Le National Disaster Risk and Reduction Management Center demande au public de ne pas s'aventurer sur les plages et surtout dans les lagons sud et ouest. Plus de détails avec Prem Patak de la station météo. Vers midi aujourd'hui, nous émettons un avis de forte houle pour l'île Maurice qui est valable de 19h aujourd'hui là jusqu'à demain 17h. Et dans l'après-midi, pour nous tiennent le temps de Fortoul également pour Rodrigue. Mais c'est pour Rodrigue, il est valable de 4h du matin mercredi jusqu'à jeudi 4h du matin, donc pour les 24h en cours. Donc il vous concerne surtout les côtes sud et l'ouest de l'île. Quoique même les autres lagons, il est déconseillé, mais surtout la côte à sud et l'ouest de l'île, ben Bagla, pour de l'ordre de 4 mètres. Il est applicable également pour Rodrigue. Ben, c'est une vague qui est déjà finie de générer, bien au sud de l'île, ben High Energy Waves, et c'est ça qui peut influencer l'état de la mer pour Maurice et également pour Rodrigue. Une trousse pour sensibiliser les écoliers et collégiens à la lutte contre le changement climatique. Cela fait partie du projet d'éducation lancé par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Plus de 400 institutions sont concernées. Alors même que le gouvernement mise beaucoup sur l'économie bleue, les jeunes, eux, sont encouragés à protéger l'environnement marin. C'est dans cette optique que le MAI, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et celui de l'Éducation, a procédé à la distribution d'un Climate Change Education Kit aux représentants des 290 écoles primaires et 190 collèges de Maurice. C'est une initiative très louable de la part du ministère de l'Éducation. Parce que tout ce qu'il s'agit de climate change, c'est surtout pour les enfants. Ce sont les enfants, à travers les enfants, que nous pourrons réaliser vraiment de changements conséquents. Nous, ben, le prof, c'est pour plus sensibiliser, surtout un kit maintenant, pour développer une bonne habitude.
Comme on dit, l'éducation ne commence pas seulement à la maison, mais à l'école. Je suis tout continué à l'école, donc je pense que ça va les aider amplement pour mieux comprendre la situation climatique dans le monde. Nous, nous avons besoin d'abord étudier. Les là, nous avons besoin d'involver tous les élèves. Moi, pas dire les élèves de type classe, bien qu'il y ait type classe plus important, prioritaire. Et ensuite, nous visons éveiller les autres sur l'environnement actuel qui met l'environnement, le monde, la planète monde, les menacer. Un projet de 5 millions de roupies financé par le gouvernement japonais. À travers ce projet, les jeunes seront conscientisés sur la nécessité de protéger l'environnement marin ainsi que sur les stratégies d'adaptation au changement climatique. Nous connaissons Maurice Mempé, expérience beaucoup de changements. Et les enfants qui peuvent vivre plus tard, 5 ans, 10 ans, 15 ans, de cela, de bizarre, comprend comment adapter ce bon changement-là. À travers ce projet, le Japon compte consolider ses relations avec Maurice. La première Smart City sera une réalité à Highlands d'ici 5 ans. Le projet démarre début 2016. Les procédures sont fin prêtes pour Omni Kane. 3 autres compagnies ont reçu leur lettre d'intention. Sadna Tilakdari. Les villes intelligentes visent à améliorer la qualité de la vie des citoyens, à stimuler l'économie locale, réduire l'empreinte écologique et faciliter la mobilité urbaine. Construire une ville adaptée aux besoins du présent, mais qui préserve les ressources pour l'avenir, c'est le concept de la ville intelligente. Smart City, ce n'est pas juste un projet immobilier, c'est un projet qui offre un ensemble d'opportunités d'affaires qui est dans le domaine de l'énergie verte, domaine de l'économie numérique, domaine de toutes sortes de nouvelles opportunités que le gouvernement veut mettre en place comme projet économique. Et juste pour dire, le marché mondial, c'est 1,5 trillion de dollars dans les Smart Cities. Donc si nous gagnons un petit 0,1%, il est déjà pas mal. Plusieurs opportunités sont mises à la disposition des investisseurs, telles des exemptions fiscales. 4 compagnies ont déjà reçu leur lettre d'intention et Omni Kane va démarrer ses activités au début de l'année prochaine. Omni Kane, maintenant, il peut commencer à travailler sur un detail planning et là, je peux projeter pour capable finir avec tout permis d'ici la fin du mois. Je tenais une compagnie pauvre qui est déjà prêt pour démarrer et me pensais d'ici début 2016, nous pouvons capable avoir the first project under Freeport. Pour Omni Kane, Captamaret, deuxième projet nous approuvé aussi, ils ont pu démarrer mi-2016. 8 projets ont été annoncés dans le budget et cette mobilité, selon les représentants, va réduire la pression existante sur, entre autres, l'infrastructure et le transport et désormais pourra être consacrée à la santé ou à l'éducation. Les opportunités d'affaires à Ras Al Khaimah. Présenté aux investisseurs mauriciens dans cet état des Émirats arabes unis, les investissements sont possibles dans plusieurs secteurs, l'industrie, le commerce, le tourisme et l'immobilier. Nous retrouvons Sadna Tilakdari. Ras Al Khaimah, un émirat émergent situé au nord des Émirats arabes unis, a été présenté aux potentiels investisseurs mauriciens. Il a été surtout question de l'ouverture de free zones, où les entreprises étrangères ne sont pas soumises aux obligations d'actionnariat émirati et aux taxes. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises implantées aux Émirats arabes unis ont leur siège à Ras Al Khaimah. Avec l'île Maurice, nous avons un accord de non-double imposition depuis 2007, outre ces 55 autres accords existants. Ras Al Khaimah est très rentable. Il est réglementé, les banques sont d'un apport considérable. Il y a environ 52 banques opérant aux Émirats arabes unis. 12 à 15 d'entre elles travaillent étroitement avec nous. L'un des 7 Émirats de la Fédération des Émirats arabes unis, Ras Al Khaimah se trouve dans une position stratégique aux portées du golfe arabo-persique. Infrastructures, industrie, immobilier, tourisme, tous les atouts sont réunis pour associer les investisseurs à son nouvel essor. Les PME mauriciennes engagées dans le textile souhaitent se professionnaliser. Pour cela, il faudra se doter de nouvelles technologies. Une firme spécialisée leur a exposé les logiciels et outils nécessaires. Kavish Peltou.
C'est devenu la norme dans l'industrie du textile au niveau mondial. De nos jours, l'apport des outils informatiques dans ce secteur commence dès la conception même d'un produit. Cette technologie de pointe, souvent réservée aux grosses pointures, pourrait se démocratiser à Maurice. Le ministère des Affaires et de l'Entreprise vient de mettre quelques responsables de PME locales en contact avec une agence spécialisée dans le développement de logiciels et d'outils facilitant la production textile. La représentante de cette agence leur a expliqué que cet apport numérique comporte plusieurs avantages. The advantage is that it will create quicker, accurate. Les avantages sont qu'ils permettent une création rapide et précise et vous pouvez aussi modifier à volonté. Si votre client vous demande d'ajouter d'autres détails, cela pourrait se faire très rapidement. De quoi intéresser nos producteurs locaux, de telles avancées permettraient d'accroître la production selon certains responsables de PME. Définitivement, ça va comme si accélérer nos productivités, ça va réduire le nombre d'erreurs. On est un petit peu artisanal et c'est un peu notre image. Mais je pousse quand même le boss à partir un petit peu plus vers l'industriel, peut-être pas complètement, sûrement pas à 100%, mais c'est sûr que ça peut être nous, même artisanalement parlant. Pour l'acquisition de telles machineries et logiciels, le ministère se dit prêt à aider. L'État propose déjà plusieurs plans de subvention visant à aider les PME à se professionnaliser, alors que ce type d'interaction devrait se renouveler, selon le ministre Bola. À Rodrigue, les autorités veulent connaître le nombre d'analphabètes afin de mieux combattre le problème. Une enquête sera bientôt lancée. L'île a célébré la Journée mondiale de l'alphabétisation. Cathy Auguste. Alphabétisation et société durable, c'est sur ce thème que la Rodrigues Literacy and Numeracy Trainers Association a tenu à marquer la Journée mondiale de l'alphabétisation. Une journée visant à sensibiliser la population sur l'analphabétisme et sur les progrès effectués par ceux qui ont suivi des cours d'alphabétisation. Pour moi, mon tour est un grand honneur parce qu'ils ont aussi nous reconnaître, nous reconnaître, nous réussir à apprendre, nous faire des autres petites choses aussi. Et nous gagnons beaucoup de choses. Et nous avons écouté dans les livres, nous avons fait, nous avons aidé à se faire l'autre. Parce que nous ni quand nous sommes allés, quand nous sommes allés, nous avons demandé du monde, mais aujourd'hui, nous avons gagné depuis là où même, fini qu'on est comme ça, nous allons. Et plus, nous avons réussi à débouler le modèle des pieds, nous avons compté des poids, nous avons compté des comptes, nous avons fait un petit business, un petit gâteau. Cette année, 32 villages à travers l'île ont déjà été touchés par les cours d'alphabétisation dispensés par l'association. Cette année-là, nous peut donner un coup de main l'Université des Troisième Âge, Prison, et aussi un projet en collaboration avec RCSS, financé par DCP, que nous peut faire formation dans les villages. Nous finissons tous jusqu'à l'air 32 villages. Et d'ici mi-décembre, nous pouvons tous au moins 40. L'adjointe au chef commissaire annonce qu'une étude sera initiée pour déterminer le nombre d'analphabètes dans l'île. Un survey, un recensement qui peut faire au niveau tout man village dans Rodrigue par commission développement communautaire, que je peux faire un travail pour nous guetter la situation de la pauvreté à Rodrigue. Au niveau de la commission de la formation, nous tient envie qui dans sa cadre, sa recensement-là, il y a une fiche spéciale que nous avons envie remplie pour connaître combien de monde qu'on lit, combien pas trop connaît. Selon Wilmode Edouard, président du RCSS, Rodrigues Council of Social Services, le projet de bibliothèque communautaire qui a touché jusqu'ici 5 villages sera étendu à d'autres villages de Rodrigues. Le ministère de l'Agro-Industrie projette de stériliser près de 5000 chiens et chats. Une campagne vient de débuter à Union Park. D'autres régions sont ciblées. Les autorités préviennent les maîtres irresponsables pourraient être sanctionnés à l'avenir. Kavish Peltou. La population canine à Maurice est estimée à plus de 300 000. 80 000 chiens sont considérés comme étant errants, ce qui nous donne un ratio d'un chien par chaque 4 habitants de l'île. Ces chiffres sont alarmants selon les autorités. Le ministère de l'Agro-Industrie estime notamment que le problème de chiens errants projette une mauvaise image du pays sur la scène internationale. C'est ce qui explique, entre autres, cette campagne nationale de stérilisation pour chiens et chats. C'est une stérilisation permanente à 100%. Hein, parce que stérilisation à travers des médicaments n'est pas morcée tout le temps.
Après ça, après quelques temps, il y a un problème de cancer, ma mère, tout ça. Alors ça, c'est une stérilisation complète. Le public présent à Rosebel reconnaît que les chiens errants constituent un réel danger. Ces chiens laissés à eux-mêmes sont parfois porteurs de maladies et peuvent aussi causer des accidents de la route. À temps actuel, il va la vallée, parce qu'il y a beaucoup les chiens errants. Aussi. Ça, comme je disais, tu bizarre faire même, parce que tu veux comment tout, partout. Mais tu bizarre stériliser, elle nous a fait bien important. Moi, tu veux comment tout, c'est comment soigner les autres chiens, pour les autres chiens comptent. Les autorités ont aussi appelé à la responsabilité des Mauriciens ayant des chiens et chats comme animal de compagnie. Le propriétaire d'un animal doit être le principal garant de son bien-être. Des manquements à ce niveau pourraient prochainement être sanctionnés. Le retinement technique, un moyen technologique de pointe qui nous capable de permettre de mettre une puce dans ce chien-là pour qu'il nous gagne une information plus précise. Quand les chiens peuvent errer dehors, peuvent causer un problème, et quand on peut capturer eux, nous connaissons exactement pour qui ils appartiennent. Et comment dire, une fois qu'ils nous établissent les responsabilités de chacun de nos propriétaires des chiens, mais ce n'est pas pour assumer notre responsabilité. Mais c'est pour bien mettre une pénalité pour capable encore plus, bien sanctionner aussi. Le ministère s'est aussi engagé à davantage professionnaliser les services offerts par la MSOR. Cela passera par l'acquisition de nouveaux équipements et la formation du personnel. Pour la fête Ganesh Chaturthi ce vendredi, la Moksha Sanatan Dharma Temples Federation a importé quelques 400 statuettes du dieu Ganesh de l'Inde. Ces statuettes seront distribuées dans les 300 temples affiliés à la fédération. Le président Samdet Daltaman a annoncé que les prières débuteront à partir du 17 septembre dans tous les temples. Des cérémonies d'immersion auront lieu sur les plages de Belmar, Flic-en-Flac, Anslaré, Montchoisy et Le Bouchon. Nous revenons maintenant sur les travaux parlementaires de ce mardi. Je vous le disais au début de ce journal, la PNQ de Paul Béranger était consacrée au prix des carburants. Elle était adressée au ministre du Commerce. Le récit de Kavish Peltou. In regard to diesel and gasoline, one, the amount of money contributed into the Build Mauritius Fund in 2014 and estimated to be contributed thereinto for 2015, and two, if the local price thereof will be lowered by 10 rupees per litre, being given that world oil prices have collapsed by 60% since June 2014. Le ministre Ganga a d'abord expliqué que le montant injecté dans le Build Mauritius Fund en 2014 dépasse les 339 millions de roupies, alors que les estimations pour 2015 indiquent que cette somme passera à plus d'1,363 milliard de roupies. De juin 2014 à ce jour, le prix par tonne métrique du Mogas a par ailleurs accusé une baisse de 49%, alors que le prix pour le gasoil a baissé de 50%. Ashit Ganga explique par ailleurs que la contribution au Build Mauritius Fund a été majorée en janvier 2015, passant d'une roupie par litre d'essence et de diesel à 4 roupies, une majoration nécessaire afin de financer les travaux relatifs au rehaussement de notre réseau de distribution d'eau, mais aussi pour maintenir les divers subsides accordés à Rodrigue au même niveau que ceux pratiqués à Maurice. Pour le ministre Ganga, il aurait été souhaité que le prix des carburants soit revu à la baisse, mais il a évoqué plusieurs facteurs empêchant cela, d'où la création d'un comité technique pour revoir l'actuelle formule déterminant le prix des produits pétroliers à Maurice. Madame Speaker, I would have wished that the price of Mogas and gas oil to have decreased further for the benefit of one and all. However, the consumer protection control of price of petroleum products, regulations 2011, regulate the functioning of the Petroleum Pricing Committee and has set up thresholds to be observed for any revision in the prices, be it for increase or decrease purposes. I have therefore set up a technical committee to review the current petroleum pricing mechanism. I am confident that the new mechanism that will be worked out by the technical committee will allow the decrease in prices of petroleum products to be passed on to consumers, while at the same time be able to contain rise in prices when this situation crops up. The accumulated reserves of the STC as at 30 June 2015 stood at 2.05 billion rupees.
An amount of 1.45 billion rupees has been earmarked by the STC for remittance as dividends to the Consolidated Fund in financial year 2015-2016 for government to implement projects in its public sector investment program. À l'heure des questions supplémentaires, Paul Béranger a cherché à savoir pourquoi les prix tardent à baisser à Maurice alors que d'autres pays ont déjà agi. Within which time frame that formula is going to be worked out and whether it will have effet rétroactif. The time frame will be approximately 1 month, Madam Speaker, but it won't be retroactive. I think we should take note that Mauritius is one of the few countries where the prices of gasoline and gas oil are low compared to many other countries. À une question du député Ousmane Mohamed, le ministre du Commerce a indiqué que la vente de carburant a permis de contribuer plus d'un milliard de roupies au fonds Mauricie Durable en 2014. Le député Chakin Mohamed s'est lui intéressé aux économies faites suite à la rupture du contrat Betamax. The honorable minister says there has been a lot of savings made following the Betamax cancellation of their contract. The question is not what is the price of freight. Because this is one element of the equation, the price of freight. The question is, what is the reduction or the saving made per liter? Let me first of all say one thing. At least in this government, STC is making profits. To reply to the honourable member who is talking about freight that we are paying less, I wish to inform the House that the freight on Mogas, for example, represents 1.5% of the retail price, and for gas oil, it is 2% of the retail price. Autre question du leader de l'opposition, encore une fois concernant une éventuelle baisse dans les prix des carburants. Consumers can be expected to benefit from that new formula as soon as possible. I say it loud and clear. With the new formula that is going to be worked out, any reduction that is going to occur on the world market, the reduction will be passed on to the consumers. Because right now, with the system that is prevailing, unfortunately, we can't do that. Répondant au député Ganou, le ministre Ganga a aussi déclaré que ce comité siège déjà, mais qu'il invite la société civile et les membres de l'opposition à venir de l'avant avec leurs recommandations. Il a ajouté que les points valables seront retenus. À présent, retour sur la PMQT, la tranche de questions réservée au Premier ministre, le compte-rendu de Valérie Cali. Comme annoncé dans son programme gouvernemental 2015-2019, le gouvernement viendra de l'avant avec une Freedom of Information Act. D'ailleurs, le travail en amont a déjà commencé, dira Sir Jugnot. Une fois terminé, son bureau donnera les directives nécessaires au bureau de l'Attorney General pour la rédaction d'un projet de loi. Il précise que toutes les parties concernées seront consultées. C'était en réponse à une question du député Kavi Ramanu. In the government program 2015-19, it is clearly stated at paragraph 258 that a Freedom of Information Act will be brought forward to promote transparency and accountability in public administration and more particularly in contract allocations. My government will stand by its commitment. Madam Speaker, the House will appreciate that although many jurisdictions have adopted the Freedom of Information Act, the nature and scope of such legislation is still evolving. This is precisely why there is need to ensure that the Freedom of Information Act adopts innovative processes to improve access to information rather than promoting access in name only. Is there any specific committee that has been set up in order to work on it? And if so, who are the members that are part of that committee and how many meetings have they had already? There is no special committee. There is a member from my office, the Attorney General's office, and then in consultation with the State Law Office.
Rezaoutim s'est intéressé à notre accès aérien. San Aerojagnet annonce qu'une task force a été instituée sous le National Advisory Council pour dresser une politique nationale de l'accès aérien. En aucun cas, cette stratégie n'aura une quelconque répercussion négative sur la compagnie Air Mauritius, précise le Premier ministre. The National Advisory Council has already set up a task force under the chair of the Secretary to Cabinet and head of the civil service himself, which has been tasked with the development of a national air access policy. So far, the Council has met on three occasions and its work is ongoing. Madam Speaker, I wish to assure the House that any new air access policy will not in any way whatsoever adversely affect the interests of Air Mauritius Limited. Le financement des partis politiques était également à l'agenda ce mardi. Le chef du gouvernement a, dans sa réponse à la question de Kavi Ramano, rappelé que son gouvernement va respecter son programme. Madame la Présidente, est-ce que je peux savoir de l'honorable Premier ministre si le gouvernement compte, en attendant la nouvelle loi sur le financement des partis politiques, légiférer pour rendre obligatoire aux partis politiques de s'enregistrer au Registre of Association et de soumettre des comptes annuels? We are coming with a global law regarding this. Doesn't the Honourable Prime Minister think that this is a fit case where a select committee should be set up with a definite time frame in order to allow all the political parties in the House or outside this House to come and depone? Well, we'll take this into consideration, and if need be, we'll have recourse to this. Au député Joe Légongard, le chef du gouvernement a répondu qu'il n'y aura pas de commission d'enquête sur la Wastewater Management Authority. Un comité présidé par le ministre des Services financiers travaille déjà sur le gaspillage des fonds publics. À la question du député Sorefan sur les besoins d'amender la Prevention of Corruption Act, le Premier ministre répond que son gouvernement s'est engagé à combattre sans relâche la fraude, la corruption et le crime financier, d'où la création d'ici peu d'une Financial Crime Commission. Pour ce faire, l'expertise anglaise a été recherchée. Des amendements importants seront apportés à la Prevention of Corruption Act ainsi qu'à d'autres législations pour combattre le crime financier. Consequential amendments will be brought to the Prevention of Corruption Act and other related legislations in the wake of these proposed changes. Provision will also be made in the Act to enable more effective tracking and curbing of money laundering and accumulation of wealth through backdoor mechanisms. Madam Speaker, government is committed to conducting business on the principles of discipline, transparency, accountability, and exemplary governance. We have pledged to eradicate fraud, corruption, malpractices, and irregularities in all aspects of public life and restore our national values. Rajesh Bhagwan a souhaité connaître la politique sur les services de motards accordés aux VVIPs. Le Premier ministre déclare que pour des raisons de sécurité, certains VVIPs bénéficient de ce service 24 heures sur 24 depuis le 22 mai dernier. Et à la question du député Rajesh Bhagwan sur la situation financière d'Air Mauritius, le Premier ministre dira qu'Air Mauritius est une compagnie cotée en bourse, régie par la Companies Act, et qu'à ce titre, il serait inapproprié de divulguer ces informations. Un taux de chômage de 8% est prévu pour 2015, alors que les investissements directs étrangers devraient s'élever à 10 milliards de roupies. Ces chiffres ont été fournis par le ministre des Finances à l'heure des questions parlementaires cet après-midi. Sylvana Parimamen. La question du député Bhagwan sur la MBC concernait entre autres la bonne gouvernance au sein de l'institution, le montant de ses dettes et la composition de son conseil d'administration. Le ministre Abadin a répondu que la station de radio-télévision nationale a atteint le seuil de rentabilité et que plusieurs mesures ont été prises pour assurer une meilleure gestion. A restructuring has started and is ongoing. The debts are still there, but on the operational side, the corporation has started breaking even. The minister at least inform the House whether the way retransmission des travaux parlementaires, whether he's satisfied that there is no interference. There's a methodology in place in terms of assessing the newsworthiness of an item prior to the MBC deciding which particular event should be broadcasted on the journal télévisé. Can the minister inform the House that the MBC will not become the Baden Broadcasting Corporation? Well, Madam Speaker,
One thing I can assure, it will not become the BBC, the Bhagwan Broadcasting Corporation. Le député Mia a voulu connaître la somme à payer aux cliniques privées qui ont fourni des services de CT scan et de MRI aux hôpitaux. Can I ask the honorable minister if he's aware that the CT scan has been broken since long and government is paying millions of money to private clinic? I know that there are problems with the CT scan, and not only with the CT scan, with other equipment. We are doing the needful to have them replaced and repaired. Question du député Bhagwan sur les mesures que le gouvernement compte prendre pour assurer que la récolte sucrière ne s'étend pas jusqu'à janvier 2016. As per the billing program, the harvest is expected to be completed by the end of December 2015. I would like to reassure the House that I will personally follow up on progress of the harvest to ensure that the milling period does not extend to January 2016. Au député Sorefan, le ministre Bauda a fourni des explications sur le rationnel derrière les limitations de vitesse qui diffèrent sur l'autoroute. I wish to inform the House that the speed limit is one amongst numerous measures to mitigate road traffic hazards and to enhance the road safety, and many factors are taken into account when determining the maximum limit for a specific stretch of a road. These include the calculated design speed, the road alignment, safe visibility distances for overtaking, types and number of vehicles thereat, population and types of activities in the neighboring areas. Question du député Outim sur le nouveau traité de non-double imposition entre Maurice et l'Afrique du Sud. Why is it that when in 2013 the Minister of Finance had already stated that we were not happy with the treaty and we are going to renegotiate at least these things, this government has gone along and ratified the South African Treaty with all the flaws that had already been identified back in 2013. The MOU, Madam Speaker, brings clarity to Clause 4, Subsection 3 of the treaty. The treaty was never faulty. The treaty was unclear as to the residency status, which is stated in Article 4, Subsection 3. That's why, following representations made by operators, an MOU was sent to South Africa to say, please clarify what are the criteria to define this. Un taux de chômage de 8% est prévu en 2015. Pour les 6 premiers mois de l'année, l'investissement étranger direct s'élève à 4,8 milliards de roupies, des chiffres fournis par le ministre Lakshmina Raidu au député Outim. On the basis of what we are now projecting, I have no doubt that 2015, in fact we are projecting for 2015, an FDI of more than 10 billion. Le ministre des Finances a aussi annoncé que la dette du secteur public est de 222,1 milliards de roupies à fin juin 2015. Cette partie des travaux parlementaires a aussi été marquée par de vifs échanges entre membres du gouvernement et de l'opposition suite à une question du député Mia au ministre Gayane. La situation financière de la Compagnie nationale de transport, le manque de médecins spécialistes à Rodrigue ou encore le projet de construction d'un nouveau marché à Quatre Bornes, d'autres sujets qui ont retenu l'attention à l'Assemblée nationale. À l'heure des questions, le ministre de l'Intégration sociale a annoncé l'arrivée des experts du PNUD dans le cadre d'un plan Marshall contre la pauvreté. Linlea Padou. Le député Soudesh Ragoubar a voulu savoir du ministre Nande Bauda l'étendue de la situation financière au sein de la CNT. Le ministre des Infrastructures publiques l'a informé que d'après les comptes de 2013, la compagnie avait enregistré un déficit de 89,07 millions de roupies et que face à cette situation, des mesures concrètes avaient été enclenchées. We have taken a series of measures with a view to improving the situation, namely to fill the strategic positions at the managerial level, second, to renew the fleet of the corporation within the shortest delay. In this wake, 100 new semi-low-floor buses are being procured in order to reduce operational costs and improve the service to the travelling public. The delivery is expected in March 2016 at latest. Third, to embark on an efficient improvement plan with specific focus on revenue generation, fuel consumption, vehicle maintenance and labour-related costs. Fourth, to introduce a modern fare collecting system based on smart cards. And fifth, to resort to a multi-skilling program to boost productivity.
Will the Honourable Minister also please look into the possibility of CNT tying up with a local, I don't know, with a foreign a strategic partner? We have Fleet Management Africa, which is proposing to Mauritius to have a leasing system for bus owners. We can consider them, but anyway, we have already launched a first tender for 500 buses over 5 years. Le manque de docteurs spécialistes à Rodrigues a été au centre de la question du député Joseph Léopold, une situation auquel le ministre de la Santé s'est dit être au courant et que des mesures correctives sont en cours. 38 vacancies in the grade of specialists, including 10 in the field of obstetrics and gynecology, have been reported to the PSC. The recruitment selection exercise is currently underway at the Public Service Commission. Secondly, my ministry has granted steady leave without pay to 5 medical and health officers, senior medical and health officers, to follow a postgraduate course abroad in the field of obstetrics and gynecology. Third, my ministry is presently negotiating with the Université de Bordeaux, France, for the training of medical and health officers, senior medical and health officers in the field of obstetrics and gynecology. And four, in order to encourage specialists and senior specialists to serve on a tour of service in Rodrigues for a period of 6 months or more, a circular letter has been issued by my ministry on the 18th of December 2014, informing them that a monthly special medical service allowance will be paid to them in line with the recommendations of the PRB. I would like to ask the Honourable Minister of Health, how many gynecologists will be posted in Rodrigues after recruitment? Well, as many as are required, but as I say, there is a shortage of gynecologists right now. And unfortunately, despite the recommendation of the PRB that the gynecologists should have to serve 6 months in Rodrigues, they have not done so. And we have had to resort to a one-month tour of service just to meet the demands of Rodrigues. But I hope that we'll be able to solve the problem shortly. Des concertations préliminaires sont en cours dans le cadre du projet de construction d'un nouveau marché à quatre bornes. Réponse du ministre Anouar Rochnou à une question du député Kavi Ramano. Une fois la tranche des questions terminée, le vice-premier ministre, Ivan Colendavelou, s'est adressé à l'hémicycle au sujet de sa présentation du Energy Efficiency Bill la semaine dernière. I committed an unfortunate error when I said that the utility regulatory bill had not yet been proclaimed. In fact, I intended to say that the Utility Regulatory Act was not yet operational. I am very sorry for this lapsus. I intend to formally correct it when I make my summing up. Autre intervention ministérielle, celle du ministre de l'Intégration sociale, Prithviraj Singh Rupen, au sujet de l'élimination de la pauvreté. The government has enlisted the expertise of the United Nations Development Programme, UNDP, which has already recruited a local consultant who is currently engaged in the preparatory works. A team of foreign experts of the UNDP is scheduled to be in Mauritius from 21st September to 2nd October 2015. It shall inter alia conduct an analysis of the current situation, investigate the causes of poverty, and have consultations with all interested parties before making its recommendation. The draft Marshall Plan is expected to be submitted to government by the end of this year. Le député Ahmad Jahangir s'est lui rétracté des propos tenus durant la séance parlementaire mardi dernier. Les parlementaires ont par la suite continué les travaux avec la présentation en première lecture du Public Holidays Amendment Bill. Et puis, les débats sur le Mauritius Renewable Energy Agency Bill ont repris à l'Assemblée nationale cet après-midi. 5 parlementaires sont intervenus sur ce projet de loi, notamment le leader de l'opposition, Paul Béranger, Sangit Fawdor, Alain Ganou, Francisco François et Osman Mahomed. Le député Jolé Jongar, qui était le prochain orateur sur la liste, a proposé l'ajournement des travaux parlementaires. Le premier ministre, Sahanirou Jugnot, a ainsi fixé la prochaine séance au mardi 22 septembre 2015 à 11h30. Et à l'heure de l'ajournement ce soir dans l'hémicycle, 9 parlementaires ont fait des déclarations, particulièrement sur leurs circonscriptions respectives. Les ministres concernés ont réagi à toutes les propositions et doléances. Les travaux ont pris fin aux alentours de 20h. Place maintenant aux nouvelles du temps.
Temps plutôt sec durant les dernières 24 heures à Maurice. Par contre, à Galega, a enregistré 27 mm de pluie. La température maximale était d'environ 23 degrés à Vacoa et d'environ 29 degrés à Port-Louis. Le taux d'humidité à 10 heures ce matin a varié entre 40 et 65%. La pression atmosphérique à 16 heures était de 1021 hectopascales. Nous écoutons les prévisions de Prem Patak. Donc hier, quand on fait mention, il y a un système frontal, faible système frontal, qui peut influencer le temps, voilà, c'est ça, le système frontal. Et c'est ça, le nuage qui est associé à ce système-là, quoique il est faible, il ne peut pas donner grand-chose comme pluie. Donc, le ciel peut être surtout nuageux, mais il ne peut pas avoir une grosse pluie, la pluie presque aucune part. Mais un des gouttes nous vient surtout le vent hauteur et la partie sud de l'île, la moitié sud de l'île qui est plus influencée par ça. Et nous attendons que demain matin aussi, même l'effet, hein, pour un nuage, nous pouvons un petit peu la pluie. Mais après qu'il ait fini de traverser, par la suite, l'état fait une bonne à Maurice. Hein. Mais après, comme on a remarqué ici, c'est ça, un signal, c'est ça, l'air frais. Donc nous attendons qu'il soit un petit peu frais aussi, surtout tout le matin et tard cette nuit. Ça, c'est du côté de Maurice. Côté Rodrigue, maintenant. Sa premier système frontal qui traverse l'île Maurice, là, est maintenant sur l'île Rodrigue. C'est ça, un nuage-là, qui influence les temps à Rodrigue. Nous gagnons le ciel plutôt nuageux à Rodrigue également, mais pas grand-chose comme pluie. Mais toutefois, il pourrait y avoir une petite pluie qui vous persister, surtout ce soir et même demain, le matin. Et au cours de la journée, à Rodrigue également, du beau temps. Et un petit mot pour un bandon. C'est un bandon aussi, un petit peu cloudiness, comme on nous dit, nuageux, le ciel nuageux, et pas grand-chose comme pluie, un détail à pluie, mais essentiellement un le ciel couvert qu'il peut gagner. Demain, à Saint-Brandon aussi, un ciel plutôt dégagé après que ça va traverser, qu'il finit de traverser, l'Iaza finit de traverser. Maintenant, du côté d'Agalega, un jour de cela, 24 heures avant, nous avons un nuage assez actif qui nous donne une bonne pluviométrie. Maintenant, vous pouvez remarquer, il peut sortir depuis un nuage qui quitte l'île d'Agalega et nous pouvons gagner des ciels plutôt mi-couverts. Quoique ce soir et demain matin, des petits applis pour gagner encore, mais demain, l'état pour une bonne à Agalega. Alors, ici, quand nous tous à la ligne pointillée, là, c'est ça le système frontal, faible système frontal qui peut influencer l'état à Maurice, nous retrouvons ici. Ici, nous trouvons l'île Rodrigue. Et plus au loin, au sud-ouest, nous trouvons ça anticyclone-là. C'est ça qui pour l'influence du temps après passer à ce système frontal-là. Quoi que vous remarquez, sur les 1024 hectopascales, il n'est pas trop fort. Donc, l'effet-là, pour non, l'effet, nous gagnons sa fraîcheur-là avec cet anticyclone-là, mais il n'est pas aussi conséquent comme amène les autres anticyclones qui traversent l'île Maurice. Les prévisions pour Maurice, des passages nuageux cette nuit avec des averses isolées principalement sur les hauteurs et sur la moitié sud de l'île. La température minimale sera entre 14 et 20 degrés. Après quelques ondées isolées sur les terrains élevés le matin, il fera beau en général au cours de la journée. La température maximale sera entre 21 et 29 degrés. Vent du secteur sud de 20 km/h s'orientant vers le sud-est demain. Mer forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de l'ordre de 4 mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons, surtout à l'ouest et au sud, sont déconseillés. Prévision pour Rodrigue, des périodes nuageuses cette nuit avec de faibles averses, principalement sur les hauteurs. La température minimale sera entre 19 et 21 degrés. Après quelques faibles averses sur les terrains élevés le matin, il fera beau dans l'après-midi. La température maximale sera entre 25 et 28 degrés. Vent du secteur sud de 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 55 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de l'ordre de 4 mètres. Les sorties en haute mer ainsi que dans les lagons, surtout du sud et de l'ouest, sont déconseillées. Prévision pour Agalega, ciel mi-couvert ce soir et demain matin. Toutefois, il y aura quelques passages nuageux avec de faibles averses. La température minimale sera d'environ 24 degrés, beau temps au cours de la journée. La température maximale sera d'environ 30 degrés, vent du sud-est de 20 km/h, mer agitée à localement forte avec houle du sud. Et lever du soleil demain à Maurice à 6h05, coucher du soleil à 18h05, marée haute demain 1h59 et 14h04, marée basse demain 7h51 et 20h19. Rodrigue, lever du soleil demain à 5h41, coucher du soleil à 17h41, marée haute demain 1h54 et 14h06, marée basse demain 7h57 et 20h17. À Agalega, lever du soleil à 6h07 et coucher du soleil 18h10, marée haute demain 5h15 et 17h20, marée basse ce soir 23h22 et demain 11h47.
Ce journal prend fin ici. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.